Salut les Vapeurs, Sarah de retour, comment allez-vous bien? Vendredi 13 mars, minuit 26 minutes et 10 secondes. Ce soir, ça m'a pris comme une envie de pisser encore une fois. Je me suis dit avant d'aller au lit, je vais shooter une petite review, j'ai beaucoup de retard. Petite review matos Clearo aujourd'hui sur le Delta 2. Alors il y a déjà plein de reviews, mais vu que ça m'a été envoyé par Joytech directement et que je voulais honorer... la petite psyché, petite tinoise qui m'a contacté de chez Joytech, que je remercie en japonais à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'elle comprenne. Voilà, je me suis dit, shootons là, ça en fait une de moins à faire plus tard. Donc, Delta 2 de Joytech, un petit clairo fort sympathique, pour une inhalation directe, mais pas que, avec une bague d'airflow tout à fait excellente. Super smooth, donc on peut la fermer... excessivement beaucoup pour faire un tirage normal si on en a envie de chaque côté, mais moi personnellement évidemment je l'utilise à bloc à 30 watts plutôt celui-là. Avec des têtes LVC en 0,5 ohm uniquement. D'ailleurs j'en défonce une dans la vidéo pour vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Des têtes qui coûtent un bras, 4,90, 4 et quelques, ça dépend des shops. Ça pique quand même pour des têtes, mais elles sont un peu complexes, c'est pas la petite tête de Clearo habituelle. L'ATO en lui-même, le Clearo coûte 39 boules en gros, c'est pas mal. Et il y a une petite base RBA en option qui marche excessivement bien, avec un gros juice Chanel, deux gros juice Chanel, qui marche vraiment très bien. D'ailleurs, je tourne plutôt avec le RBA sur ce Clearo. Ici, je suis sur un coil clé en main. Ici avec du 50-50 à 30 watts, 30 ou 25, qu'est-ce que j'ai mis là, 30. Voilà, un tirage de ouf, une ouverture de malade, 5,8 je crois le drip tip. Très bien, drip tip en Delrin, donc il chauffe pas du tout, qui tient super bien. Enfin, j'explique tout ça dans le close-up et dans la conclusion. Petite forme, chat dans la gorge, désolé, petite forme ce soir. Allez, c'est parti, close-up. Donc nous voilà en gros plan sur la boîte du Delta 2 de Joytech, ainsi qu'une boîte de tête de coil que je me suis acheté par la suite, puisque moi j'ai reçu un carton, sûrement un truc échantillon, directement de Chine par Joytech, et j'avais qu'un coil dedans et la base RBA. Attention, quand vous l'achèterez en shop français, vous n'aurez pas la base RBA fournie, elle est en option à je crois 12,90€. Je vérifie de suite sur trois shops différents, 12,90€, 12,90€, 12,90€, la base RBA. Donc c'est un Clearo qui s'utilise avec des têtes toutes prêtes, qu'on achète et qu'on visse et qu'on prime et c'est parti. Ou avec une base RBA où on fait son coil soi-même, on met son coton, etc. Les têtes coûtent un bras, ça c'est super abusé, mais on va voir pourquoi, c'est quand même des têtes assez complexes. C'est 21,90€ selon les shops, 24,90€ les 5 têtes, donc c'est 4€, plus de 4€ la tête, c'est un peu abusé. On reviendra là-dessus. Dans le carton, on a une petite garantie carte, on s'en fout. Une petite notice en anglais, on s'en tape. Un joli carton avec un imprimé brillant de l'atomiseur, Clearomiseur, Delta 2, Joytech, en veux-tu, en voilà, joytech.com, voilà pour le carton. Et en dessous, je crois, des petites infos. Qu'est-ce que ça raconte? Mise au point. 1,25, 50 watts, enfin, quelques petites infos, on s'en tape. Et on a donc, vous aurez
Ici, une tête de rechange et dans l'ATO, une tête préinstallée. On va passer tout de suite à l'ATO. Est-ce que je tente la mise au point auto? On va tenter, on va voir. Donc, un clearomiseur très joli en stainless steel en 22 mm. 22 mm, drip tip fourni. En hauteur, je crois qu'il fait 60 et quelques. Sans drip tip et 510, il fait 49. Donc voilà, bon là j'ai le subtank, ouais. Il est quand même assez grand. Hein. Ça c'est le big subtank, hein. c'est le 25 mm. Donc voilà, assez beau. En stainless steel, un peu brossé. Bon, c'est pas du brossé de modeur, hein, c'est du brossé chinois, un peu à la Spontex, comme je dis. Mais c'est pas mal du tout, ça a une bonne tête. Et un Delta 2 gravé ici ou imprimé, je ne sais pas. En tout cas, on sent rien. En noir, comme ça. Delta 2, un Joytech ici, discret. On a 3, 1, 2, 3 fois 3 fenêtres pour voir le niveau de son liquide. On verra que c'est pas le plus aisé. C'est du Pyrex. C'est bien du Pyrex, donc c'est un tank Pyrex protégé par du stainless steel. Sachant qu'on ne peut pas démonter tout ça, on va en reparler. Le drip tip est très très bien, lui par contre, il est en, sûrement en délerin noir, juste recouvert d'une fine couche de métal, hein. Il est en noir jusqu'en haut. Est-ce que je peux montrer ça? Donc il n'y a pas de chauffe du tout. Pas de chauffe du tout, est-ce qu'on peut voir que c'est noir à l'intérieur? Je ne sais pas. Ouais, on le devine quoi. En tout cas, il est assez léger, donc c'est clairement full plastique, full délerin. Avec une couverture métal, on a deux O-ring, donc ça c'est super. Et il est plutôt tight quoi. Il rentre, mais faut forcer et il tient super bien. Il gigote pas du tout. Il est assez sympa et surtout il a une ouverture assez conséquente. Il doit faire 5,5 facile. On va voir ça tout de suite. De bord au cul, 5,8 au cul, ce qui est assez énorme. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, c'est un clearo pour de l'inhalation directe. Ce qui fait que la cheminée en haut du clearo, elle fait 8,6, juste énorme. Et on voit que on aperçoit au fond le coil, quoi, la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite cheminée réductrice. Hein. La vapeur, elle y va direct du coil dans ce gros espace. C'est assez spécial. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc on a un drip tip, on a le clearo qui se démonte comme ceci, donc on a cette pièce là qui ne se démonte absolument pas, c'est à dire qu'on n'a pas accès, on ne peut pas enlever cette cloche, on a donc cette cloche elle qui vient enserrer la résistance, ok, et puis au fond on a un petit plastique, tiens je vais vous montrer le petit plastique, un petit joint d'étanchéité comme ça en plastique, souple qui vient se caler dans une rigole, on voit qui se remet tout bêtement, on le met dans le bon sens, c'est à dire partie large vers le bas, et pour la reclipser dans sa rigole il suffit de visser en force la base avec un coil et ça va pousser ce joint dans son emplacement. Donc on peut quand même enlever ça pour nettoyer s'il faut, mais on peut pas vraiment nettoyer la cuve quoi. Évidemment, on va mettre son jus entre l'extérieur de cette cloche là. Donc un peu chiant pour le remplissage, un peu chiant pour le nettoyage de la cuve, mais bon, sous un robinet d'eau chaude, on nettoie comme on peut quoi. Mais c'est pas aussi démontable qu'un subtank qui est quand même super à ce niveau-là pour le nettoyage. Quoi dire d'autre ? Ces petites donc ces fenêtres pour le niveau de jus, on en a parlé. Pyrex, on en a parlé. Ces fenêtres sont très très étroites. Alors tous les reviewers disent ça, mais c'est la vérité. On a beaucoup de mal à voir le niveau de son jus avec cet ATO. On verra ça peut-être plus tard si j'y pense. Et ensuite, on a une base. Alors, deux petites secondes. Deux petites secondes, donc une base avec un 510 fixe, hein, pas flottant, légèrement flottant comme d'hab avec l'isolateur, mais c'est tout.
Un petit logo CE, un petit logo ne pas jeter à la poubelle. La bague d'Airflow qui elle est juste fantastique. Qui s'arrête, c'est-à-dire que pas fermé, on est bloqué. On est à peine fermé qu'elle vient bloquer, on peut pas faire un tour quoi. Et hop, elle s'arrête pile quand c'est ouvert en grand quoi. Hop, et là c'est bloqué. Donc on a deux cyclopes, un de chaque côté, très très long, pas très gros, pas très haut. Ça va faire 1 mm de haut. Allez, on va dire quoi? On va dire 1 mm de haut sur un gros centimètre de long. On a quand même un bon tirage avec cet ATO. Cette base dans laquelle on vient donc visser ses têtes, on va y revenir. Ok. Un petit O-ring transparent ici pour faire l'étanchéité avec le tank. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et on a juste un pin de connexion comme ceci qui vient se ficher dans un petit isolateur qu'on connaît bien en plastique. Un petit pin comme ça, pas de ressort, rien du tout, qui vient juste se mettre en force. Tac. Donc une fois qu'on a ça, on a vu la taux, on va parler des têtes. Têtes très particulières. J'en ai pris une neuve ici. Qu'est-ce qui est marqué dessus? De 20 à 45 watts, LVC 0,5 ohms. LVC pour vertical coil, le L, je ne sais pas, je vais vérifier tout de suite. Liquid valve control, pas du tout vertical coil, c'est liquid valve control. Pourquoi? Parce que c'est la première tête qui a un juice control intégré. C'est-à-dire qu'on voit, il y a une zone molletée. Alors, est-ce que je vais réussir à montrer ça en gros plan et avec une mise au point? Si on la fait manuelle, ça sera mieux. Une zone molletée en haut, ici. Une zone molletée au milieu. Et si on tourne cette zone molletée du milieu, j'ai du mal à ce que je regarde la caméra. Pardon, pardon. Je vais y arriver. Ouais, ça sera plus facile une fois monté sur la base. Bon, on va finir la tête. Hein. Un petit logo Joytech. Désolé, c'est un peu à l'arrache ce soir. Je me suis décidé vite fait. Pas spécialement prêt, mais on s'en fout. Ça fait un moment que j'utilise. Ici, les prises d'air qui sont juste énormissimes. Ok. Un trou transverse traversant comme ça. On a une patte ici. Alors, si je dis pas de bêtises, cette patte-là va être en contact avec la queue. On va dire que c'est le positif. A priori, on va dire ça, positif, ok, qui est bizarrement foutu, hein. C'est comme ça, à plat, sur un méplat, comme ça, on voit, hein, c'est rond, mais il y a un méplat où il y a la patte qui se fout comme ça, c'est pas comme on a l'habitude, un O-ring noir, ici, pareil, on n'a pas l'habitude de voir des O-ring noirs sur les résistances. Et puis voilà, on va reparler de la tête plus tard, vertical coil en tout cas, c'est-à-dire coil comme ça avec autour le feeling matériel. On va le mettre dans sa base en le vissant tout simplement. Les filetages sont juste nickel sur cet atout. À noter ce filetage là pour le tank, il est juste mortel, impressionnant. Meilleur filetage de Clearo que j'ai vu, bien au-dessus de celui du subtank. Pardon, pardon. Faut que je boive un petit coup. Donc revenons à ce liquid valve control. Donc une fois que c'est sur sa base, on peut choper cette partie molletée au milieu et tourner. Tourner, tourner, tourner. Et on voit, on obstrue. Alors il y en a trois cyclopes comme ça, qui sont les arrivées de jus. Et donc, alors moi, je trouve que ça sent un peu l'argument commercial. Ça fonctionne peut-être, sachant que je vape que des jus épais. Moi, perso, je laisse toujours ouvert à fond. Donc, les trois ouverts à fond. Mais pour les gens qui vapent du 80-20 et qui ont, par exemple, des soucis de remontée avec le subtank, eh ben, peut-être ça serait intéressant pour eux de faire ça pour qu'il y ait moins de jus qui rentre dans la bourre et donc que ça ne remonte pas à la bouche. Donc là, on devine le coil vertical. On voit que la seconde patte du coil est là en haut là. On verra ça plus tard également. D'ailleurs, on va peut-être voir ça tout de suite.
Ce que je vais faire, je vais amorcer cette tête tout de suite. Donc, n'existe qu'en 0,5 ohm ces têtes. Attention, hein, donc à utiliser sur batterie compatible. C'est pas forcément pour un débutant qui va mettre ça sur n'importe quelle batterie de merde. Mais bon, on va pas insister là-dessus. Je vais prendre un petit jus, un petit addiction de gin et juice. Ça fait un moment que je n'ai pas vapé. Donc, ce que je fais moi, je mets quelques gouttes dans les cyclopes. Ça imbibe très très bien. Alors, on va parler des feelings matériels tout de suite. Je vais juste la primer avant. Voilà, j'en ai mis un peu dans chaque. Je refais un deuxième tour. Hop. Je push. Alors, ça prend le heavy VG. Hein. Le full VG, je sais pas, parce qu'on n'est jamais en full VG de toute façon. Évidemment, plus il y aura de VG, plus ça sera galère. C'est pour ça que je prends des 50-50 pour mes tests vidéo. Hein. Mais j'ai vapé des 20-80, ça passe. Ça passe très bien. Voilà, j'ai fait 3-4 fois le tour avec une petite goutte à chaque fois. Je vais en mettre également à l'intérieur, comme un bourrin, comme un sagouin. Je blinde là-dedans. J'en verse. Ça peut finalement finir par pisser, mais on s'en fout. Et je vais laisser reposer ça pendant que je vais vous montrer donc une tête, la tête que j'ai utilisée et que je viens de défoncer. Alors que je me trompe pas, ça doit être de l'autre côté. À savoir que ces têtes donc coûtent un bras, je sais plus si j'en ai parlé, plus de 4 euros la tête. Donc on voit, hein, c'est quand même un peu plus évolué qu'une tête classique qu'on a l'habitude de voir pour des clairos. Il y a système de liquide, valve control, etc. Pack de 5 est quand même à 21,90 sur des shops, 24,90 sur d'autres shops. Alors essayez de trouver les moins chers parce que c'est quand même abusé. 4 euros et quelques la tête qui va durer une semaine, deux semaines, ça dépend. Peut-être plus pour certains, enfin c'est difficile de dire combien de temps ça va durer. Donc ça c'est celle que j'avais utilisée depuis mes débuts, sachant que je suis assez rapidement passé sur la base reconstructible qu'il faut pas que j'oublie. Donc je l'ai défoncé à la pince, c'est très dur à ouvrir mais je voulais vous montrer. En fait, c'est ici que ça s'ouvre. J'ai chopé ça chez Bussardo. C'est press fit ici, là. Bon, alors, je l'ai peut-être trop enfoncé, là, comme un connard. Tac. La partie haute, au-dessus du molletage de liquid control. Et press fit, bim. Ok, donc cette pièce-là, ça sert à rien. La bague de liquid control, elle est loose. Hop, elle s'enlève. Et hop. On a ensuite un petit anneau aussi press fit qu'on va essayer d'enlever quitte à le défoncer. Yes, un petit anneau comme ça press fit avec ce petit filtre, ce fameux petit filtre qu'on a sur diverses têtes comme l'Atlantis, le Nautilus, c'est ce qu'on arrive à voir. Mise au point manuel, yes. Et j'ai fait tomber un truc et je sais pas ce que c'est. Je reviens. J'ai fait tomber un que truc. Yes. La bague de contrôle de jus, on s'en foutait. Donc, j'en étais à cette petite bague avec ce filtre, cette petite grille qu'on se demande bien à quoi elle sert. Sûrement à retenir des choses. On va en reparler. On repère une petite fente ici sur cet anneau. Car c'est ici, bizarrement. Ah, je suis désolé. Que va venir se clipser la seconde patte du coil. Vous voyez, elle est là. Donc elle est en contact avec le corps du machin. Est-ce que c'est la positive qui serait isolée par ce truc là? Je pense oui. Ça va être le positif là-haut et le négatif en bas. Donc en bas sinon c'est tout à fait classique comme surtout toute tête qu'on a l'habitude de voir. On vient tirer un espèce de plot comme ça. On a un gros isolateur énorme comme ça. Tac.
Et donc, je vais y arriver. Hein. Et donc, ici, on a notre... Alors, je vais essayer de la sortir. Notre coil et notre coton. Enfin, coton. Tac. Qui se présente comme ça, le tout étant dans ce cylindre, tout bête. Donc, reconstructible, je sais pas, parce que c'est quand même dur à ouvrir. Hein. Mais si on arrive à l'ouvrir correctement, pourquoi pas. Et donc, bizarrement, il n'y a pas de coton ou de grosse bourre. Il y a un truc enroulé façon rouleau de PQ, comme ça. Ouais, elle était encore nickel, je l'ai défoncé, tant pis, c'est pour la science. Et au milieu, juste contre le coil, on a cette deuxième matériel là, on va en parler. Donc ce matériel là, là qui compose le principal film matériel, est très capillaire d'ailleurs, ça boit très très bien. Et a priori c'est plutôt du coton tissé. J'ai pas trop de soucis avec ce matériel là. Alors je dis des conneries, j'y connais rien. Mahoud, on en avait parlé, mais j'ai pas pris de notes ni retenu ce qu'on avait dit là-dessus. C'est du costaud en tout cas. Ouais, ça ressemble à du coton. Hein. En tout cas, ça me semble pas un truc trop relou. Par contre, le deuxième matériel qui est contre le coil, d'ailleurs, le coil, je vais vous le montrer vite fait. Donc, c'est pas un micro-coil, hein, c'est des spires espacées. C'est du non-résistif-résistif, hein, comme sur tous ces Atos, tous ces Cliros. Hein. Nautilus, Atlantis, pareil. Ils sont montés en NR. NR. On voit les petits points de soudure. Vous les verrez là et là. Bon, on peut les remonter sans faire du RNR, mais... NR, RNR. Mais bon, voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 spires. 2, je dirais 0, 35, peut-être 0, 4. C'est quand même du gros. Pardon. Sur du... c'est assez énorme, là. C'est bien 4 mm. Clairement pas du 3, en tout cas. Facile du 4. Et donc, contre le coil, autour, comme ça, de là où le jus sera vaporisé, c'est une autre matière. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est que c'est un peu le même matériel que sur, justement, Atlantis, qui est en train de changer ses têtes, qui vont être bientôt en coton. C'est genre ce qu'on appelle la céramique. Et qui n'est pas de la céramique, mais c'est un truc qui part en quenouille et qui est peut-être pas super super sain, même si la taille microscopique des petits trucs qui composent ce machin ne serait pas trop petit pour être dangereux. Mais bon, voilà, petit questionnement là-dessus. Perso, ce serait pas mal qu'il se fasse du coton également chez Joytech, ce qui ne manquera pas de venir, je pense, ou pas. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a un gros chat dans la gorge, on reprend sa tête qui est maintenant bien imbibée, bien primée, et que si j'ouvre l'airflow, il y a sûrement du juice dans la base, mais on s'en tape. On va prendre bêtement son tank, et puis on va parler de la base RBA après. Alors avec une pipette, c'est faisable, mais un peu relou. Hein. Franchement, remplir, c'est beaucoup plus relou qu'un sub-tank. Faut passer entre les deux. Et puis, il faut y aller. Alors, on met quand même 3,5 ml de jus. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout par rapport au sub-tank mini qui est son concurrent direct en 22. Qui, lui, met 4,5, je crois. Donc, on en met un peu moins. Moins pratique à remplir. Moins pratique à nettoyer. Mais bon, on y arrive quand même. Plutôt pas mal. Yes, c'est parti. 3,5 millilitres. Et puis, bêtement, on revisse sa tête. Et puis, on laisse reposer à nouveau pendant que je vous parle de la base RBA. Le drip tip, qui est vraiment tight, hein. Moi, j'adore les drip tip tight, mais voilà, celui-là est vraiment tight. Évidemment, on peut le changer, hein. Pas de souci, j'ai pas de souci avec mes drip tip perso. Donc voilà, laissons reposer ça pour l'instant.
Ensuite, la base RBA, donc qui est donc, je répète, en option, hein, qui ne sera pas fournie dans les packs. Peut-être qu'il y a des packs avec base RBA, peut-être ce pack existe, mais je n'ai pas l'impression. Donc, bon, ça ressemble fort au coil prémonté, hein, sauf qu'il y a écrit RBA dessus. Que c'est tout rond au niveau de la connexion ici, puisqu'il n'y a pas de patte à ce niveau-là. Que les trous d'arrivée d'air me semblent tout à fait équivalents. Voire plus gros, carrément plus gros même, ouais, voilà. Et donc on a une partie haute qui se dévisse, molletée, pas de fioriture, pas de dôme, rien, filetage impec. Une deuxième, le tube, le baril avec une base molletée, elle arrive prémontée. D'ailleurs c'est toujours le coil d'origine des Chinois qui est très bien. Microcoil. On a un plateau deck tout à fait similaire à tout ce qu'on voit maintenant. Pour simplifier, on va dire Kaifun style. Nos amis chinois, vous voyez, passent les pattes dans les petits trous qu'on a sous les vis. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je réussirai de faire comme ça parce que je trouve ça pas mal. Sinon, on fait classique et on passe sous les vis. Hein. J'ai vu plusieurs vidéos où ça, les vis se vissent assez pour venir caler son fil sous les vis sans souci. Donc voilà, celui-là je l'ai dry burné plusieurs fois. D'ailleurs ça se voit, mais ça marche plutôt bien. Un isolateur blanc, je ne sais pas en quoi, qui a tendance. Je ne sais pas si on voit, mais il a fondu un peu. J'ai mis une pince céramique chaude après avoir pressé mon coil pendant un dry burn. Donc peut-être pas le meilleur isolateur qui soit. En tout cas, c'est pas du pic. Voilà. Le positif, le négatif et les tranchées d'arrivée de jus qui sont plutôt importantes. Vous voyez, enfin voilà, rien de très exceptionnel à ce niveau-là. Ça marche excessivement bien. Par contre, je vais vous montrer les ouvertures pour le jus. Théma, on voit que c'est clairement plus ouvert que sur un Kaifun à l'époque, Kaifun Light ou Kaifun avant le 4, quoi. Rien à voir, presque le double, j'irais. Et on voit qu'une fois le baril fermé, on a un bon carré là. Un bon carré ouvert pour le jus. Est-ce qu'on peut le montrer? Ouais, on le voit. Donc au niveau de l'alimentation, pas de souci, y compris avec les full VG. Hein. À ce niveau-là, pas de souci. Après, on met son coton, je ne vais pas faire de montage. J'ai vraiment un bon rendu avec cette base RBA, pas rencontré de soucis majeurs. Ce qui peut arriver, c'est que quand on ouvre son tank, le petit joint plastique là qui fait jonction accroche et du coup ça dévisse un peu le haut comme ça. Mais on s'en fout, on resserre. Pas de soucis de serrage, de dévissage, de vissage, filetage grossier un peu sur cette base, mais tout va bien quoi. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette base RBA. Marche excessivement bien. 12,90 en option, à vous de voir. En tout cas, nous pour l'instant, on va tester les coils prémontés. Et je vais pas trop vaper parce que j'ai un gros chaton dans la gorge. Donc ils disent 20-45 watts. Moi je le vape à 25-30 watts. Hein. De toute façon, pareil sur Subtank, je suis plutôt à 25-25 watts, 30 watts. Peut-être 30 watts sur celui-là, 25 sur le Subtank en vitesse de croisière quoi. Donc ici sur la K-Box, merde la mise au point. Hop là. Ça c'est le bordel de coil, on s'en fout. Sur la K-Box. Plutôt sympa, non? Il a une très bonne tête, hein, ce Clearo. Ceux qui n'aimeront pas ce design-là, qui est quand même très particulier, que moi j'aime beaucoup, pourront se retourner vers celui-là, que j'aime beaucoup aussi, en tout cas niveau design. Et niveau rendu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va peut-être commencer à 13 pour voir comment ça se passe.
Donc, réglage d'airflow super smooth. Tiens, j'ai du jus. Ça peut arriver que ça leak un poil par les airflow, hein, surtout après remplissage. Et vu qu'ils sont supra étroits, voilà, pour éponger, on glisse un peu de sopalin. Il faut dire que j'ai primé le coil comme un bourrin. Donc là, c'est clair qu'il va pas cramer. Je vais mettre tout de suite à 20 watts parce que 13 watts, ça va faire qu'ajouter du jus. Et on va repasser sur ma face. C'est parti. Oh les vapeurs, de retour sur ma face. Désolé pour le chat dans la gorge, mais j'ai vapé comme un cochon aujourd'hui. Des jus avec un peu trop de PG pour moi. Et avec un parallèle coil à 0,1 ohm à 100 watts, quoi. D'où le chat tombe dans la gorge. Pas très agréable, je le comprends, désolé. Donc, le Delta, voilà, c'est simple, hein, vous avez vu, hein, c'est un Clyro, hein, c'est quand même accessible à tout le monde. Si ce n'est la base RBA, si on veut refaire ses coils et apprendre le reconstructible, ce qui est pas mal quand même, hein, c'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Ça a une bonne tête. Pour l'instant, je suis à 20 watts avec du 50-50, encore un peu de PG, allez. Et il est un peu minuit 15 là, je me suis décidé à 11h à shooter cette review, donc voilà, on s'en fout un peu. watts à la pépère, j'ai pas de glouglou, j'ai pas de goût de cramé. Ce que je vais faire, déjà, j'aime pas trop ces couleurs là. On va saturer ça un peu. 20 watts, allez, 25 watts direct. Hop, c'est parti. Bon, je suis en 50-50. Hein. Je me répète. Ça va bien, le goût est là. Le petit matériel céramique, l'avantage, si ce n'est qu'il a des inconvénients, de faire durer le coil plus longtemps. Hein. C'est une matière qui ne... qui crame beaucoup moins que le coton, qui noircit beaucoup moins. maintenant, je trouve que sanitairement parlant, c'est pas le top, quoi. Donc, les coils vont durer un bon moment. Hein. Sans trop m'avancer, je ferai une moyenne selon les jus et les vapeurs de peut-être 2 semaines, quoi, avant de changer. 1 semaine pour les gros vapeurs, 3 semaines pour les petits vapeurs et 2 semaines de moyenne, ça me paraît correct. On a un tirage de malade. Je sais pas si j'ai pas appuyé, mais. Clairement supérieur au Big. Clairement supérieur au Big Subtank. Le mini Subtank a un peu plus de tirage que le Big Subtank, mais je crois qu'il en a un peu moins quand même encore. Que le Delta. Moi, on doit être assez proche quand même. Voilà, 25 watts, je vais tirer quelques lattes. Évidemment, on peut mettre un serrage très très serré, un tirage très serré, contrairement donc encore une fois au Subtank. Pourquoi autant référence au Subtank? Parce que c'est vraiment un concurrent direct. Hein. Là, j'ai juste un petit millimètre d'ouvert. Et donc avec celui-là, on peut clairement faire une inhalation normale, c'est-à-dire bouche d'abord, puis poumon. À moins fort wattage, évidemment. Moi, ça me fatigue ce tirage maintenant. Donc je repasse à 25, je rouvre à fond. Il n'y a pas un crunch, il n'y a pas un bruit, c'est tout doux, c'est super agréable à ce niveau-là. Ça vient pas frotter sur la l'ateau, le filetage du tank, top. Franchement, niveau finition, il n'y a rien à redire. Ça va super bien. Voilà, je vais monter à 30 watts. Mais je vais pas trop tirer. Parce que après, je vais passer une mauvaise nuit.
Prends-toi hâte, 50-50. Le full VG, donc je disais, passe, mais évidemment, il faudra le primer encore mieux, faudra y aller doucement, faudra pas trop monter trop vite dans les watts, que le système s'amorce bien, etc. Mais ça passe. Il faudra peut-être parfois serrer un peu le airflow pour pomper un peu plus de jus. Voilà quoi. Donc, outre le prix des résistances qui est juste hallucinant, 4,90 à l'unité, je l'ai vu. Sinon, il y a des packs de 5 à 21,90. Ça pique quand même, mais si ça dure 2 semaines, voire pour certains 3, pourquoi pas. Même si ça dure qu'une semaine, 4,90 € par semaine, c'est pas la mort. La RBA qui marche excessivement bien à 12,90, c'est quand même un bon investissement. Moi je le conseille, ça fait plusieurs semaines maintenant que je tourne sur le RBA, que j'aime beaucoup. Bizarrement, sur celui-là, je tourne sur RBA. Alors c'est peut-être un hasard hein, je sais pas, de mes tests, etc. Et sur le subtank, je tourne plutôt sur OCC. Est-ce qu'il y a une raison de fond? Je ne saurais pas dire. Je pense que l'alimentation est quand même meilleure pour les jus épais avec celle-ci. Je pense. Donc 12,90 le RBA et la tour en lui-même, le Clearo, 39 €. 39 ici. Je crois que c'est 39. 39,90 là et 39,90 là. Donc ouais, 39 €. Correct. Je me rappelle plus du prix comment c'était? Attends, ça va me revenir. Protank. C'était combien les Protank? C'était bien une trentaine, 35, je sais plus. Vous me direz, 30 watts, ça marche bien. Montons à 35. Ils disent 25-40, donc 35, ça va être easy. Easy. Enfin voilà. Je vais pas aller à 40 parce que j'ai pas envie. Mais ouais, je resterai plutôt à 30 sur cela, contrairement au subtank où je suis plutôt à 25. C'est ma vape, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ce petit clearo fort sympathique. On arrive à un stade où les débutants ont des clearos au top, quoi. Alors que nous à l'époque fallait bidouiller, fallait bricoler, c'était pas génial. Donc voilà, c'est plutôt cool. Merci à Psyché. Psyché, c'est le nom de la petite chinoise qui m'a contacté. C'est mignon Psyché, on y croit. Arigato, Namaimas, je sais pas quoi, Psyché. Et vous Vapers, à bientôt pour d'autres reviews. Allez, bye bye. Like, not like. Ugh.